Salut les gens, c'est Fur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très courte, vous avez été pas mal à nous poser la question hier soir en live. On s'est donc dit que ça serait pas mal de vous montrer enfin la cinématique de Ragnar Lothbrok dans Assassin's Creed Valhalla, ainsi que son arme étant toutes deux buggées jusqu'à la sortie du patch qui a vu le jour hier. Alors sans plus tarder, passons aux explications. Cette fosse, comme décrite dans le document parlant de Ragnar Lothbrok. Il vous suffira de vous rendre à l'est de Jorvik, puis, une fois arrivé sur les lieux, vous devrez vous débarrasser des serpents à l'intérieur du trou avant de descendre dans ce dernier et enfin appuyer sur la touche indiquée sur votre écran pour vous focaliser et du coup démarrer la dite cinématique que voici. C'est la cage où on l'a enfermé. Le lieu est à l'abandon, comme s'il avait servi pour un rituel, puis plus jamais. Là, c'est l'endroit où est mort Ragnar Lothbrok. Il a dû finir là, nu. Chaque goutte de sang coulant dans cette fosse. Le plus grand des Drengir, devenu une prise d'Ael. J'ai vu ce jour un millier de fois. Baldur me garde une coupe d'hydromel. Je fais volontiers mon entrée sur la terre des champions. Malgré les railleries et les humiliations, il est resté impassible. Traîné par des couards, jeté aux serpents. Ils avaient beaucoup plus peur que lui. J'affronte la mort! La soif sur mes lèvres. On ne peut effacer ma renommée. Elle est inscrite dans le cœur de ceux qui ont combattu avec moi. En dépit des morsures venimeuses, il est resté debout et a parlé avec honneur et courage au nom de ceux qui vivent pour la gloire. Ah, oh, comme les marcassins grogneraient s'ils savaient combien le vieux sanglier a souffert. Un jour, tu les verras à elle. Un jour, ils viendront pour toi. Ces hommes sont arrivés trop tard pour le sauver. Ceux qui ont combattu pour lui et qui l'aimaient, dont le serment était éternel. Tu n'es plus privé de tes guerriers, grand roi. Vous serez bientôt tous réunis. Là, à l'endroit où il est tombé, quelque chose scintille sur le sol. Il y a quelque chose au fond d'une fosse. Un objet oublié. Une fois terminé, vous n'aurez qu'à vous retourner pour récupérer une nouvelle arme, une dague, dont voici les stats à l'écran, et qui malheureusement ne change pas de visuel une fois amélioré au niveau maximum à Ravenstorp. Donc c'est tout ce qu'il avait à dire sur ce sujet, j'espère que cette cinématique vous aura plu depuis le temps qu'on l'attendait. Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et moi je vous dis à demain pour une vidéo plus conséquente et plus intéressante. C'était Max pour la CE, et ciao tout le monde.